Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un coffret, et comme à chaque fois, bah, si cela vous inspire pour un cadeau de Noël, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors c'est un jeu fantasy, mais j'ai presque envie de dire fantaisiste. C'est tiré d'un univers des auteurs et illustrateurs Johan Svarr et Nicolas Kemaridas. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de partir à l'aventure. Dans une... Ouais, c'est une aventure dont plus rien ne fonctionne vraiment. La guerre s'est finie il y a presque un siècle. Et entre nous, bah, ça manque quand même d'une bonne grosse baston pour raviver quelques flammes et une bonne humeur voilà, d'antan. Un truc normal, quoi. On a caché toutes les erreurs d'antan sous le tapis et même pas une petite créature du chaos ou un nécromancien à se mettre sous la dent. Enfin, c'est bien triste. Bien que ces derniers ne demandent qu'une chose, c'est revenir sur le devant de la scène. Alors, préparez vos haches, on part pour, il est là, Commandant Barbare aux éditions Black Book Edition. On est sur une base de règles assez simple, puisqu'elle est tirée de celle de Chronique Oubliée Fantasy, ce qui veut dire que vos personnages sont définis par 6 caracs, rien de bien terrible en vrai. Vous jouez un des 20, vous y ajoutez vos modificateurs, s'il y en a en tous les cas, et bah, vous avez votre résultat final. Pour vous dire, le système de jeu tient en gros en 8 pages. La création de perso, c'est en 4. Il y a un bestiaire qui fait 14 pages, donc rien d'insurmontable. Et 10 pages qui décrivent les 5 profils en gros proposés. Vous pouvez jouer un couleuvrier qui est un adepte de l'arquebuse ou la couleuvrine avec des voix de poudre et de plomb. Et ça, c'est cool. Ça pour... un ensauvagé, c'est ceux qui vivent plutôt dans les forêts, comme ça, avec l'instinct, il y a quoi, il y a le héros, qui, quelqu'un qui est relativement à l'aise avec les autres, le noble bien sûr, qui est là pour soutenir l'art de la guerre, et le tracker, qui est plutôt une sorte de chasseur pour tout ce qui est animaux sauvages, et pourquoi pas quelques poursuites, hein, ça peut être sympa. Et dans la deuxième partie, eh ben, vous avez quand même 5 scénarios. 5 scénarios qui sont contenus. Alors oui, j'ai pas ouvert le coffret, donc c'est un coffret comme ça. Et voilà, 5 scénarios pour une belle aventure. Donc si vous pensez que la guerre n'est pas finie et qu'il est temps de ressortir les squelettes qu'on avait cachés dans le placard, bah, je vous conseille quand même Commando Barbare aux éditions Black Book, édition. Je me répète. Et au moins, vous passerez un bon moment à rigoler. En plus, vous pouvez largement vous inspirer des histoires déjà existantes en BD, puisque c'est tiré d'une BD. Ce qui fait que vous avez une bonne matière de travail. Voilà, alors, je vous montre un petit peu peut-être ce genre d'illustration. Hein. C'est vraiment le reflet de la BD existante déjà. Qu'est-ce qu'on va avoir en même temps Oups, le micro. Ce soir, il est très très bon. Voilà. Avec ça, donc, moi j'avais participé au financement dans le petit coffret. J'ai reçu également donc le livret. Hop là, le livret qui va avec l'écran. Et bien sûr, l'écran que je trouve très 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 sympathique. Hop, on l'ouvre. Voilà les illustrations de l'écran. Elles sont plutôt pas mal et vous retrouvez effectivement toutes les informations qu'il faut à l'intérieur. Bah, si vous avez l'habitude de jouer à du Chronique Oubliée ou même du DDV5, bon, retravaillé, bah, je pense qu'il n'y aura rien d'insurmontable à jouer à ce jeu qui franchement vaut le coup. J'ai plus le prix en tête, donc je vous mettrai de toute façon le lien qui vous emmène aux références du bouquin, mais on se marre bien, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Est-ce que c'est vendeur de dire on se marre bien? Pour moi, oui. Pour vous, est-ce que vous préférez les choses sérieuses? Je ne sais pas, mais ça fait partie des 24 livres que je vous proposerai pendant ce calendrier de l'Avent et qui m'a beaucoup plu. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à me mettre un petit like, vous abonner, activer la cloche et me laisser un petit commentaire si vous connaissez déjà le jeu ou si vous avez des questions dessus. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. Ah, j'ai pas de clochette sur celui-là. Ciao.